dans une île au trésor ou sous un réverbère, il soulève un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Au pif et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. Bando, pif et Hercule, on la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Pif. Ah, pauvre mère grand. Non, 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 mais c'est pas ça du tout, les enfants. Il faut que le spectateur comprenne que tu aimes ta grand-mère, Pif. Allez, on reprend. Ah, pauvre mère grand, elle seule est malade. Je peux pas travailler dans ces conditions, moi. Je suis un artiste, moi. Du calme, Pif, du calme. C'est fini, le bruit. Ah, pauvre mère grand. Plutôt bien garder les diamants de gros chauds. Ce qu'il faut, c'est de la douceur. Mais j'entends un bruit anormal. Oh, ça y est. Je savais bien que je finirais par l'avoir. Oh, les diamants. C'est le patron qui va être content. Bonjour, Mère Grand, c'est le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire la bobinette et la chevillette chérera. Enfilons d'ici avant que la police n'arrive. On sabote mon travail, on me torpille. Du calme, cher grand artiste, ça va s'arrêter. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Hold up à la bijouterie, gros chou. Sortez de là, vous êtes cernés! Assez! Je ne peux pas travailler dans des conditions pareilles! Je m'en vais! Patron, c'est vous. Je peux plus bouger l'endroit, grouille de policiers. Impossible de vous remettre les diams. Eh bien, trouve-toi un pigeon qui n'attire pas l'attention. Mais je veux les diamants le plus vite possible. Et toi, arrête de te coinfrer. Ça m'énerve. T'as compris? Trouve un pigeon, il en a de bonnes, le patron. À moins que... Me faire ça à moi, pif. Un acteur de ma dimension. Psst. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hey. Vous êtes bien le célèbre pif. Je vais faire des essais pour ma film Hollywood. Le petit chaperon rose. Une super production. Un petit chaperon rouge? Vous ne pouviez pas mieux tomber. Quand est-ce qu'on commence? Mais tout de suite, c'est OK. Et où sont les caméras? Les caméras? Oh, nos caméras. Tout est filmé par satellite grâce à un petit émetteur. Par satellite? Oh, c'est super, la technique. Vous allez jouer votre rôle jusqu'à la petite maison dans la forêt. Allez là-bas. La mère grand attend vous. OK? Vous êtes sûr que ça va marcher? No problème. La technique est super. Oh, pauvre mère grand. Elle seule est malade dans sa petite maison. Quel imbécile. Ça y est, patron, je vous envoie un pigeon, mais il faudra prévoir une petite mise en scène. Je vais voir ma mère grand, la 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 la. Je vais voir ma mère grand. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Un petit pot de beurre, la la la, un petit pot de beurre, la 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 l'air, la 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 la. Ça y est, il est complètement piqué, ce qu'il y a... Mais dis donc, je sens comme une odeur de galette. La 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 l'air. Salut, oh, pif. Ça baigne? Nom d'un pif. Et les caméras? Je vous dis, il est complètement piqué. Pousse-toi, imbécile, tu vois pas que tu es devant le satellite. Un satellite. Chut. Oh, le loup! Quelle horreur! Le loup va manger ma galette! Alors, Matou, tu te sauves, oui ou non? Non, mais va, pif, non, c'est moi, Hercule. Mais va, pour ce qui est de manger la galette, je suis pas contre. Touche pas à l'émetteur ou tu es mort! Rends-moi ça! Un émetteur? Mais il dit n'importe quoi, ce cabot! Hey, oh!
Mais c'est quoi ce truc? Hein? Mais touche pas à ça! Tu as cassé mon émetteur! Un émetteur en diamant? Mais j'ai jamais vu ça, moi! Des diamants? Oh! Oh non d'un pif! La sirène de police! Oh, je comprends tout! Il s'est bien moqué de moi, l'Américain, avec son satellite! Quel Américain? Quel satellite? Alors là, je sais pas, faut demander à pif, parce que moi, alors j'ai rien compris! Je répète une scène du Petit Chaperon Rouge, monsieur l'agent. C'est mon premier grand rôle au cinéma. Du cinéma? Oh, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Metteur en scène, c'est ça que je vais faire. Bon, eh ben voilà, ça y est, lui aussi, il débloque. Oh, Gary Cooper, Humphrey Bogart, laissez-moi vous accompagner. Mais c'est impossible. Je dois répéter la scène avec la mère Grand. On m'attend. Oh, je vous accompagne. Oui, moi aussi. Ben voyons. Mais patron, vous êtes sûr qu'il faut que je mette ça? Fais-moi confiance, petit. Si on veut récupérer les diamants, il faut que notre crétin te prenne pour une mère Grand. C'est vous qui le dites? Il cesse de manger des bananes! Les grands-mères ne mangent pas de bananes. Y a quelqu'un? Attention, les voilà! Tu te souviens de ce qu'il faut dire, au moins? Ah oui, tire la chevillette et la bobinette, chéra. Il joue un peu fort, vous ne trouvez pas? Vous avez raison, il joue même un peu trop fort. Bonjour, mère Grand, je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. Il n'y a pas de banane? Alors là, mais... je vous arrête. Normalement, c'est la scène des grandes oreilles et des grands yeux et des grandes dents, n'est-ce pas, mon cher? Ah oui, vous avez raison, ah oui, il a raison, oui. Eh ben, je vous écoute. Oh, mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. Qui ça? Moi, tu trouves? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et essaie de récupérer le panier. C'est pour mieux t'entendre et récupérer le panier. Oh, mère Grand, que vous avez de grandes dents. Patron, c'est quoi pour les dents, déjà? C'est pour mieux te manger, imbécile. C'est pour mieux te manger, imbécile. Mauvais, mauvais, mauvais. Cette mère Grand ne connaît pas son texte. C'est pour mieux te manger, imbécile. C'est pour mieux te manger, imbécile. Quel est le crétin qui change le texte de la pièce? Et d'abord, qui est-ce? Qui ça? Moi? Ben, je suis... je suis la fée Carabosse. La fée Carabosse n'existe pas, monsieur! Alors, il y a quelqu'un qui ne croit pas à la fée Carabosse, ici? Oui. Pas du tout, madame Carabosse, c'est pas ce que je voulais dire, je vous jure. Mais chacun a le droit d'avoir une opinion sur la question, bon. Même Agora est comme toi. Ça, c'est bien joué, ça, poupée. Comment tu m'as appelé, toi, le matou? D'abord. Alors, beau brun, tu peux me répéter ça? Non, mais madame. Tu en as un bout à toi. Je sens que tu n'as pas fini de me tourner autour, beau gosse. Madame, vous qui savez tout faire, vous pourriez pas m'avoir des bananes, s'il vous plaît? Il veut des bananes, mon gros bébé. Oh, 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 je n'ai jamais pu résister au gros bébé rose-poir. Oh, oh, suivant. Appel à toutes les patrouilles, avons localisé la bande des voleurs de diamants. Toutes les forces de police doivent se rendre à la maison de la forêt et cerner la place. Terminé. La maison de la forêt, c'est ici, non? Et les diamants? Hein? Où ils sont, les diamants? Non, madame, il n'y a jamais eu de diamants. Ah, non! Oh, les jolis bébés! Oh, j'adore les diamants! Rendez-vous, la maison est cernée, vous n'avez aucune chance. Et vous voudriez me faire croire que c'est la fée Carabosse qui a les diamants? Embarquez-le, qu'il retrouve ses complices au bloc. Je vous jure que je dis la vérité, les copains. Vous avez qu'à demander au petit chaperon. C'est ça, c'est ça. C'est drôle, patron. Vous sentez la grenouille. Dis donc, pif,
Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui nous arrive? J'ai rien compris. Pas maintenant, je lis. Et qu'est-ce que c'est que tu lis? C'est bien? Pas mal, c'est pas mal. Pif et Hercule, pif et pouf, ont la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, ils soulèvent un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Oh, Pif et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées des pianos en tournant tout autour de la terre.